Et bonjour et bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le test, le fameux test de Call of Duty Advanced Warfare. Et donc, je vais parler du solo et du multi. D'abord, je parlerai du solo, ensuite du multi. Et on va commencer tout de suite avec le scénar du solo. Donc, ça se passe en 2054. Le monde a subi une attaque terroriste massive, appelée d'un groupe terroriste nommé les KVA. Voilà. Et Accrochez-vous bien. après, en fait, cette attaque massive, les différents continents doivent s'associer, doivent revoir les frontières, etc. Puisque ça a foutu en l'air le monde entier. Et du coup, les armées suffisent pas. Et c'est du coup des sociétés privées militaires qui vont aider à remettre l'ordre un petit peu dans le monde, etc. Donc il y a une société qui va prendre un petit peu le dessus sur toutes les autres qui s'appelle Atlas Corporation, qui va donc engranger masse money et qui va peser un peu. On se reverra de l'autre côté. Donc c'est dans ce contexte-là que nous, on va être Mitchell, donc un Marines qui va être avec Will Irons, qui est le fils de Jonathan Irons, qui lui est le patron, le gros mec qui pèse, le PDG de chez Atlas Corporation. Et donc on va choper un emploi chez Atlas, puisqu'on va avoir perdu un bras. Et comme cette société essaie d'aller vers l'avenir et tout, elle fait des exosquelettes, et bien elle va nous donner des exosquelettes, etc. Donc ce qui va être au cœur du gameplay de ce nouveau Advanced Warfare. Et c'est comme ça qu'on va avoir un exosquelette. Parce qu'on va pouvoir bosser pour cette société privée, cette armée privée en fait, en quelque sorte, Atlas, qui développe de grandes technologies pour l'armée et pour le futur, etc. Je vais pas en dire plus, je vais pas vous dire la suite, puisqu'après, évidemment, ce serait spoilé. Donc vous allez avoir des images du jeu qui vont tourner en fond, puisque là, moi, je parle sans rien. T'as rien Et donc, demandé. ce solo, ce Advanced Warfare, Mitchell. est développé par Sledgehammer Games, donc ceux qui ont développé Call of Duty MW3, donc Modern Warfare 3, et édité évidemment par Activision. Donc là, voilà, c'est un FPS, un jeu de tir à la première personne, tout le monde le sait, on s'en fout. En tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que on va pas taper dessus parce que c'est en Call of Duty. Ça, on l'a fait pour Ghost, parce que Ghost, de toute façon, c'était vraiment de la merde. Mais là, on va prendre un peu de recul et voir le boulot qui a été fait par Sledgehammer, et heureusement, heureusement, il se trouve très très loin devant Call of Duty MW3, qui pour moi était une aussi grosse bouse, peut-être un peu moins que Ghost, mais qui était vraiment quand même un sale jeu bien pourri, avec une campagne de 3 heures. Ici c'est pas le cas. D'ailleurs, la durée de vie de la campagne, donc moi j'ai fait 13, il y a 13 émissions si je me rappelle bien, et elles vont entre 20 et 30 minutes chacune. Donc c'était un peu plus de 6-7 heures de jeu, voilà. Vers 6-7 heures de jeu, ça dépend comment vous jouez, moi j'ai un peu rush, parce que bah, il y avait le jetpack et tout, alors j'aimais bien tracer tout ça. Donc voilà, donc justement, l'exosquelette, c'est ce qui est au cœur de ce nouveau Call of Duty Advanced Warfare, même si vous allez avoir d'autres trucs, des grenades un petit peu stylées qui permettent de marquer les gens à travers les murs, de faire des. Désactiver le bruit environnant, etc. Donc vous allez pouvoir ne pas faire de bruit. Et donc voilà, c'est ce qui va donner un petit peu de fluidité, un petit peu de rapidité à ce gameplay et à ce Call of Duty. C'est cet exosquelette qui, voilà, c'est vraiment la grande nouveauté. Voilà. Il a des pouvoirs aussi, donc qui va vous permettre de vous rendre invisible, etc. Donc il y a des petits trucs comme ça, même si ça, dans BO2, on l'avait déjà eu, hein. Et d'ailleurs, il se rapproche beaucoup de Black Ops 2. Pour pas mal de choses, donc l'univers un peu futuriste, les pouvoirs, enfin les semi-pouvoirs, puisque c'est des technologies, et des trucs comme ça. Après, sur ces heures de jeu, honnêtement, je me suis bien amusé, ça s'est bien passé, il y a des phases un peu nazes, où ils essaient de changer un petit peu le gameplay, donc il y a une phase où vous conduisez sur l'autoroute et tout, je vais pas en dire plus, mais ça c'était vraiment une phase que j'ai trouvé vraiment naze. Et après, ça reste du classique, hein, c'est un peu du FPS couloir, vous avancez, il se passe des trucs, c'est joli. Voilà. Donc justement, c'est joli, on va passer un petit peu sur les graphismes. Moi, je jouais sur PC, le jeu, franchement, est pas mal du tout. Un peu comme tout, hein, il y a des trucs des fois qui puent la merde. Vous allez regarder, je sais pas, à la caisse, au fond d'une pièce derrière, bah là, ils ont oublié un peu la texture, elle bave un peu, elle est à chier. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un jeu très très joli, et surtout les cinématiques. Alors, c'est du pré-calculé, etc., mais putain, elles ont de la gueule, hein. Franchement, elles ont de la gueule. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le Call of qui relève un peu le niveau, qui arrête de piquer du nez. Et si vous voulez, je sais pas, si on lui mettait une note, on lui mettrait pas 8 sur 10 ou 19 sur 20. Il vaudrait un petit peu plus que la moyenne, mais sans plus. Donc c'est un FPS qui a
assez peu de saveur. Vous voyez, il a. Je sais pas comment dire, il va pas vous envoyer des étoiles dans les yeux et tout. Mais voilà, ça fait le travail, ça se laisse jouer, c'est sympathique, c'est fun, c'est joli, donc c'est bien. Voilà, franchement, enfin, ça tient en route, c'est pas mal. Voilà au niveau du solo. Solo, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? La durée de vie, sympa le gameplay. L'ATH, c'est assez marrant. L'affichage tête haute, donc c'est les trois quarts des trucs sont affichés sur votre arme. Donc ça, c'est assez cool. Donc voilà pour le solo. Après, j'ai pas, y a pas trop à dire. Je préfère que vous le viviez par vous-même. Et en plus, le solo, c'est pas vraiment ce qui compte le plus pour un Call of Duty. Donc voilà, je vais passer au mode coopération, donc le mode exo. Alors là, par contre, pour moi, c'est le gros gros bémol du jeu. J'ai pas du tout accroché à ce mode-là. Il ressemble très fortement à ce qu'on avait sur MW3 justement, quelle espèce de mode survie où vous avez des vagues d'ennemis qui viennent. Sauf que là, ces vagues d'ennemis, enfin non, il y a toujours les ennemis, mais ces vagues d'ennemis sont en plus entrecoupées d'objectifs où vous allez devoir récupérer des plaques, mettre des IUM, activer des IUM qui pèteront pas puisqu'elles sont là juste pour faire joli, pour vous donner des objectifs à faire et des trucs comme ça. Et c'est pareil, vous avez des trucs, des points dans la map où entre chaque manche, vous allez pouvoir racheter des munitions, acheter de nouvelles armes, acheter des compétences d'exosquelette, augmenter votre puissance, etc. Moi, j'ai pas vraiment pas accroché à ce truc-là. Ça m'a pas amusé, j'ai pas trouvé ça intéressant. Il y a aucun secret à trouver comme dans les zombies ou des trucs comme ça. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on les connaît pas encore s'il y en a. C'est quelque chose de très classique et pas très fun, enfin j'ai pas trop. Je trouvais ça très. Comment dire? Très succinct, très simple. Ça manque vraiment de saveur comme coop quoi. Donc tournez-vous plus vers le multi. Et du coup, bah, je vais passer. Excellente transition, écoutez ça, excellente transition vers le multi, attention. Hein. Donc on va passer au multijoueur. Et le multijoueur là, bah, là c'est cool. Là, franchement c'est cool. Je m'abuse vraiment bien, c'est très très dynamique. Les maps sont pas extrêmement grandes et comme tout le monde peut dash en avant, sur le côté, etc. Les gens vont très très vite. En plus, il y a des perks pour pouvoir aller plus vite. Donc, on se retrouve quand même souvent nez à nez avec des gens. Les maps auraient peut-être gagné un peu à être plus grandes pour donner des trucs un petit peu plus sympas, je sais pas. Ou avoir des maps qui sont vraiment grandes et d'autres un peu moins grandes. Là, elles sont toutes à peu près de taille similaire, assez moyenne, même si on a un petit peu plus grandes que d'autres, mais il n'y a pas vraiment de grandes maps qui vont permettre d'avoir un truc un peu moins. Comment dire? Overdose, quoi. Parce que là, c'est vraiment tout le temps, ça dash, il y a des trucs partout, voilà. Mais c'est un gameplay très intéressant et que j'aime beaucoup aussi. Qui peut peut-être se rapprocher d'un Titanfall ou truc comme ça. Et c'est assez sympa. Il y a pas mal de modes de jeu, donc des modes de jeu nouveaux comme le Uplink, je sais même plus comment ça s'appelle en français. Où vous jouez avec une balle et tout. C'est assez rigolo. Ça me rappelle un petit peu un mode qu'il y avait sur Halo. Où on avait. C'était un crâne qu'on prenait au lieu d'une balle. Et on devait pas le jeter. On devait le garder le plus longtemps possible. On devait pas le jeter dans des cercles. Là, ça fait un peu Quidditch et tout. Mais c'est rigolo. C'est rigolo, c'est sympa. Ça change de temps en temps. C'est pas là où je passerai ma vie. Mais c'est sympathique. Il y a un autre mode qui s'appelle. Mince. C'est un mode qui où en fait vous avez. Une zone qui va s'afficher sur la map, il faut la capturer, et plus vous capturez la zone, et plus vous allez avoir des espèces de sbires avec vous, des creeps et tout, enfin c'est rigolo, c'est des bots qui vont venir se battre avec vous. Donc encore une fois, c'est un mode un peu particulier, auquel on s'amuse de temps en temps, mais ça a le mérite d'être là et d'être marrant. Après au niveau de ce que je voulais parler, c'est au niveau des connexions, évidemment les connexions, il n'y a pas de serveur dédié, en tout cas si on a, ils sont venus la chier. Les connexions, c'est toujours très moyen, donc ça passe pour les trois quarts des parties, mais il y a des parties où c'est vraiment horrible quoi. Le mec, vous le voyez, il vous a mis une balle. Clairement, vous regardez la kill cam. Excusez-moi, il a vidé son chargeur sur vous, et vous l'avez vu, ça fait piou, vous êtes mort. Donc voilà, donc ça c'est un peu dommage, et toujours c'est la compensation, ce manque de serveur dédié qui se fait ressentir, mais c'est franchement jouable, ça se passe plutôt bien. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vivre aussi avant. Et voilà, donc je vais vous montrer aussi, alors là je mettrai un petit truc que je filmerai plus tard. Donc les nouveautés de ce Call of Duty en multi, vous pouvez personnaliser votre personnage, alors c'est pas extraordinaire, c'est juste cosmétique, etc., machin, tout ça.
Quoique vous pouvez loot des armes qui ont des caractéristiques différentes de base. Ce qui est assez intéressant puisque vous allez pouvoir choper une arme qui est la vôtre et au lieu de changer ses caractéristiques par la suite avec des objets que vous rajouterez sur votre arme et qui du coup, puisque ça marche, l'inventaire marche comme sur BO2, vous avez 13 points et chaque fois que vous utilisez une case, donc pour mettre, par exemple, vous allez mettre une arme principale, une arme secondaire, vous allez prendre 2 points. Enfin, je sais pas si ça compte un point pour l'arme ou plus, parce que ça dépend des objets, je crois. Mais voilà, ça vous, on va imaginer, ça vous prend 2 points. Et ensuite, vous rajoutez des grenades, une grenade pour votre exolanceur, un point de plus. Donc vous êtes à 3 points sur 13. Il vous reste plus que 10 points pour mettre un atout, un deuxième atout, un troisième atout, etc. Donc il faut gérer avec les points, mais c'est aussi un truc qui fait que, comme dans BO2, vous allez pouvoir créer une classe avec seulement soit une arme secondaire, donc juste un pistolet. Il y en a plein qui font ça, qui prennent un pistolet qui a un gros Colt, qui est one shot, mais qui a une cadence de tir très très faible. C'est un tir toutes les 2 secondes, quoi, à peu près. Donc vous tirez une balle, vous rechargez pendant 2 secondes, vous tirez une balle. Et ils mettent ça avec un truc où ils courent très vite, où ils peuvent un peu tanker, etc. Et voilà, donc c'est rigolo, les mecs tracent un peu partout et... Mais il faut pas qu'ils ratent leur tir. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, des classes très très particulières. Et ce qui est marrant, maintenant, donc il y a les compétences d'exosquelette aussi, que je vous montrerai. Donc il y a un truc pour se rendre invisible, il y a un truc pour voir à travers les murs pendant un court instant et dans une petite zone autour de soi. Il y a un truc qui permet de sortir un bouclier, il y a un truc qui permet de planer. Enfin voilà, il y a plusieurs petits pouvoirs comme ça. Et aussi les séries, donc pas d'élimination, mais les séries de scores. Parce qu'attention, c'est pas des kill streaks, mais c'est des scores streaks, comme dans BO2, ce que personnellement je préfère vraiment. Et ben ces séries de score streak, vous allez pouvoir les modifier. C'est-à-dire que par exemple, le drone de base qui va permettre de scout sur la map et d'afficher les ennemis sur la map, et ben si vous allez dessus et que vous appuyez sur PC sur F1, vous allez pouvoir le modifier. Et dessus, vous allez voir, vous allez pouvoir faire en sorte que la série s'arrête pas, mais il va vous coûter 600 points de plus. À la base, il vous coûte 400 points. Mais si vous voulez que la qui s'arrête pas dans sa série, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mourrez, vous gardez vos points pour votre drone, pour pouvoir l'appeler plus tard, et ben vous pouvez le faire. Mais ça vous coûte votre drone va vous coûter beaucoup plus cher. Après, si vous voulez que votre drone il puisse, quand vous l'activez, vous donnez des points par rapport à quand vos alliés pardon, tuent des ennemis, et que votre drone est activé, ben ça vous donne des points en plus, et ça vous coûte 50 points de plus. Donc le drone, au lieu de vous coûter 400, il va vous coûter 450. Et voilà, donc vous pouvez augmenter le prix de vos séries comme ça pour qu'elles fassent des trucs en plus. Donc c'est un choix à faire, soit vous augmentez le prix de votre série, mais elle fait quelque chose qui vous intéresse vraiment, soit voilà. Et il y a un truc, un qui est un de mes préférés, qui est sur le colis stratégique. Sur le colis stratégique, vous pouvez faire en sorte que le colis vienne à vous, avec des petits propulseurs, comme ça, il vient jusqu'à vous. Et c'est vraiment énorme, vous êtes là, vous voyez votre colis qui arrive, vous vous dites, oh, petit colis ici, et ben là, maman, oui, oui, bidio, et puis là, vous le prenez, c'est bien. Ça, c'est un truc déjà qui devrait vous faire acheter le jeu. Rien que pour ça, vous devez acheter le jeu, les colis viennent à vous, c'est trop bien. Bon, je rigole évidemment, mais moi je trouvais ça très très drôle, j'aime beaucoup, ça donne des situations très très marrantes. Donc voilà. Et c'est justement aussi le fait d'avoir ces déplacements d'exosquelettes qui donnent des situations et des gunfights très intéressants. Des fois ça fait un petit peu gunfight de Mongol où les gens arrivent pas à se tirer dessus et ça ressemble un peu à rien, mais des fois ça donne vraiment des trucs où le mec dash vers un mur, il se planque parce qu'il a vu le gars qui est en train de lui viser. Après, il saute par-dessus le toit pour essayer de le prendre à revers, mais l'autre il l'a vu donc il dash en avant pour sortir et essayer de le contrer. Enfin, ça donne vraiment des déplacements très intéressants et certains gunfights vraiment très stylés, surtout en 1v1 quand vous avez vu un mec et que vous savez que vous allez faire un face-à-face, quoi. Donc, vraiment, des fois c'est super cool. Et des fois c'est un peu relou parce que vous êtes en train de prendre un point et là, tous les ennemis, bah, ils viennent et ils font des dashs et tout, et vous savez qu'ils vont venir sur le point vous défoncer. Donc voilà, un petit défaut, en tout cas sur PC, c'est qu'en fait les dashs, vous allez faire soit, moi ce que je fais, c'est je fais un petit saut et j'utilise Mage qui permet de courir, donc plus la direction où je veux dash, donc en avant, en arrière, sur le côté et tout. Mais sinon, il y a une autre façon de dasher, c'est en faisant un double tap sur ZQSD. Si vous êtes sur console, sur vos sticks, etc. Enfin, je sais pas comment ça marche sur console. Mais moi, si je double tap sur D, par exemple, donc à droite, il va dash. Et comme je suis quelqu'un qui souvent essaie d'être assez précis dans ses mouvements, je fais souvent Q, D, Q, D, Q, D,
pour un petit peu me décaler vers ma droite ou vers ma gauche. Et sur ce jeu, je me retrouve souvent à faire des dashs involontaires qui parfois me mettent dans des situations un peu nazes. Ça, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Et donc voilà, donc ce jeu en multi, en tout cas, a franchement pas mal de contenu. Il y a pas mal de choses à voir, à débloquer, à faire. C'est assez rigolo. Dans celui-là, quand vous allez débloquer le prestige, vous n'allez pas juste tout perdre. Vous allez perdre pas mal de choses. Je crois que vous ne perdez pas tout. Il y a des choses qu'on garde. Mais aussi, le jeu va vous proposer un choix et vous allez pouvoir garder un truc que vous garderez à chaque fois que vous passerez un prestige. Donc il sera débloqué pour tout le temps. Voilà. Donc il y a des petits détails comme ça. Franchement, c'est vraiment un jeu qui tient la route. Il faut pas que vous partiez dans l'idée « c'est un Call of Duty, c'est de la merde ». Faites-vous votre propre opinion, dites-vous que c'est un nouveau FPS qui sort. Et honnêtement, c'est un FPS qui tient la route, qui est pas extraordinaire, mais qui est très loin d'être mauvais. Et il y a vraiment de quoi s'amuser dessus, moi je m'amuse dessus. Donc voilà, je voulais donner mon avis sur ce Call of Duty parce que je vois qu'il y a un petit peu de tout. Il y a pas mal de gens qui pensent comme moi quand même, qui ont pris du recul et qui se disent « ok, celui-là il est bien ». Celui-là, il fait le taf, il est pas mal, il y a de quoi s'amuser, il y a des choses à voir, il y a des choses à faire. Et après, je vois beaucoup de gens qui sont là, c'est quoi du tir, c'est de la merde, j'ai même pas essayé, j'ai même pas vu une seule image du jeu, mais c'est de la merde. Donc évitez de faire ça, regardez des vidéos, regardez des tests, regardez des streams, ou même testez-le par vous-même, c'est encore mieux. Et essayez de prendre du recul sur les choses, dites-vous que c'est un nouveau jeu, testez-le, et vous verrez, voilà. Donc évidemment, si vous aimez pas les FPS couloir et que vous êtes ennuyé sur... même sur Battlefield ou sur des trucs comme ça, si vous n'aimez pas Battlefield, ben, vous ne pourrez pas aimer ça quand même. Enfin voilà, il faut quand même aimer un minimum les FPS, savoir que dans le scénario et le solo, évidemment, c'est du couloir, vous allez avancer, même si il y a quand même pas mal de changements de gameplay qui sont assez sympathiques. Et le multi, il faut savoir que, par contre, c'est assez dynamique, donc si vous aimiez un truc un peu lent, où on se fait one shot, etc., ben là, oubliez, ça a un peu changé, mais moi, je préfère vraiment ce type de jeu. Donc voilà, donc c'était mon avis, c'est mon opinion. Je dis pas que le jeu est comme ça, que chaque personne doit penser comme moi. Il y a des jeux que moi je n'ai pas aimé, qui ont été encensés par plein de gens, et inversement, il y a des jeux que j'ai aimé que tout le monde trouve nul à chier. Donc c'est comme ça, moi je vous dis juste ce que j'en pense. Prenez-en ce que vous voulez, mais ne prenez pas pour argent comptant. Comme d'habitude, allez voir un peu partout, c'est le plus important. Faites-vous un maximum d'opinions, regardez un maximum de gens, et faites-vous votre propre opinion. Soyez objectif, voilà. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez fait, vous pouvez rejoindre mon Facebook ainsi que mon Twitter, ils sont dans la description de la vidéo juste en dessous, où il y a aussi ma chaîne Twitch où je stream de temps en temps. N'hésitez pas d'aller voir ma chaîne secondaire où je mets quand même pas mal, d'ailleurs il y a un let's play du solo de Call of Duty, et je mets pas mal de vidéos de let's play. Donc si vous voulez voir tout le let's play, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne secondaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour n'importe quel autre type de vidéo. Love you all, ciao. We'll be right back.